sur la dernière action, on voulait faire faute. Il restait 9 secondes, je crois. On voulait faire faute, mais on avait ciblé les joueurs sur qui on voulait faire faute. Et ils n'ont pas eu la balle, c'est normal. Voilà. Après, on switch sur le pick and roll. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Et puis lui, il sort un gros shoot. Tout simplement. Il sort un très gros shoot. Voilà. Parce qu'on est dessus. Hein. Il est loin, on est dessus. Ben, on donne le ballon quand même à un garçon qui est capable et que quand on l'a scouté, quand on l'a regardé, c'est quand même un mec qui sait mettre ce genre de panier. Maintenant, on lui a dit, voilà, on va te donner deux options, tu vas prendre. Déjà, il faut qu'on prenne le dernier tir. Il ne faut pas qu'ils aient le temps. Voilà, il y a 77, si tu rates, on va en prolongation. Mais on ne leur donne pas, eux, l'opportunité. Donc, je savais à ce moment-là où on gagnait le match ou on allait en prolongation. On lui donne un petit écran sur les 3-4 dernières secondes. Et si tu le sens, tu le prends. Et si tu ne le sens pas, on va te mettre un shooter dans chaque coin. Si tu vois de la lumière dans chaque coin, tu jettes le ballon. C'est soit on faisait faute beaucoup plus tôt. Et puis, on pouvait avoir donc la possession derrière. Soit une fois que là, comme ça s'est passé, on n'a pas pu faire la stratégie qu'on voulait, faut faire un stop, quoi. Tout simplement. Voilà, il a pris ses responsabilités, il a eu le mérite de le faire et ça nous a fait du bien, ça nous fait quand même gagner. C'est pas que ça qu'il nous faut gagner, mais ce tir, il faut le mettre quand même.